L'autre information dans le journal là, Gerline Jean-Louis, installé vendredi 15 décembre comme nouveau directeur de travail dans le ministère des Affaires sociales et du travail. Il promet de prendre le travail avec tout secteur pour avancement institution. Gerline Jean-Louis remplacé dans le poste ça, Renan Edouville, qui Kounia occupé poste protecteur citoyen. Un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et Michel Joseph. Je suis prêt à travailler avec tout le monde. D'ailleurs, un directeur ou bien une directrice du travail, c'est ou là pour travailler avec partenaires sociaux, c'est syndicats, c'est représentants travailleurs et puis représentants employeurs ou bien employeurs. Ça veut dire qu'en tant que l'État, nous là pour nous faire équilibre. Ça veut dire que nous-mêmes, nous, où qu'on est directrice du travail, la gagne de chapeau. Et les directeurs du travail, et en même temps que, selon la loi organique, les présidents CSS automatiquement. Ça veut dire que nous là pour nous travailler, nous condamner pour nous travailler avec les partenaires sociaux. Un message? Message, moi, t'as gagné, moi, t'as dit tout le monde aurait été confiant que c'est le secteur patronal, que c'est le secteur syndical. Aurait été confiant parce que et nous là pour nous faire équilibre, j'aimerais me dire, parce que moi, franchi toute étape, moi, habitué à faire inspection dans l'entreprise, moi, connais tout problème entreprise, moi, connais tout problème travailleur, moi, connais tout problème, dès qu'a dit tout, patron a confronté, l'aime dit problème patron a confronté, travailleur a confronté, c'est des deux côtés qu'il y a problème. Ça veut dire que, comme moi, dit. Tu as ratifié la convention 18 décembre 1990, là. La convention des Nations Unies est adoptée à plus loin, responsable a fait qu'on est tout. Ratification, ça permet à Haïti canaliser et orienter la politique internationale. Il y a un extrait dans le micro, Mildrey, Milias Laurore, acte de l'or d'Arly Jean-Jacques, pardon. Gard décidé par conférence de presse, d'une part pour renouveler solidarité avec tous les migrants dans le monde, puisque nous connaissons Nations Unies par un total de 250 millions de migrants internationaux qui quittent le pays. Et en pile nan yo a subi préjugés, discrimination, mauvais traitement parce que yo pa la kayo. Gor salue tout migrant sa yo et en particulier migrant haïtien yo. Convention sa, li founi yon cadre juridique de, international qui permet que nous capable analyser et orienter politique internationale yo. Et pour nous-mêmes, nous connaissons que Haïti son pays des migrants, plus de 3 millions haïtiens vivent à l'extérieur. Même si en pile nan yo arrivé réinséré, mais nous connaissons, en pile nan yo vivent des situations très difficiles, surtout cas emblématiques nous gagnons avec la réalité migrants en République dominicaine. Et bien, là, pour nous outils pour nous-mêmes, organisation, faire plaidoyer auprès des pays sa yo sous nécessité pour respecter les droits migrants. L'autre information toujours, ministre touriste là, Colombe, Émilie, Jessie Ménos, remet plaque honneur et mérite, by magistrat for liberté à Étienne Louis Jacques, peut-être yon kembe commune nan propre. Ministre lundi, c'est un exemple pour l'autre commune yon ta imité pour kembe pays à propre. Magistrat remercie ministre là pour mak attention ça en faveur commune. Jessa pour encourager ou faire plus effort pour toujours permettre commune nan rete nan propreté pour vendre l'autre image. Yon extrait dans micro, Anne-Marguerite Auguste et Michel Joseph. Nous avons gagné une campagne de sensibilisation que nous avons commencé depuis le 30 juin de l'année ça. Et nous avons marché dans toute ville, côté nous allons faire champêtre dans toutes les communes. Et nous finissons par réaliser et on nous fait un sondage tout, au niveau de 2-3 personnes que nous connaissons qui marchent en ville dans le pays. Nous avons demandé qui côté qui était plus propre, qui était plus propre dans la ville. Moi-même, tout, automatiquement, que l'équipe nous a été venue, nous avons donné la première fois une photo de la ville de Fort Liberté. Je me dis, oh, regarde comment une ville propre, c'est ça que tu es premier marqué. Et même là, je me poste des photos sur la page Facebook, je me dis que tout le monde a réagi. Donc, de ce fait, je ne suis pas indifférent à tout ça que nous avons fait et à tout ça que l'équipe a fait. Tout. Donc, je suis venu, je me dis, je dis, il faut que je honore le magistrat vilain pour me dire exactement qui travaille, qu'il fait, comment il fait pour qu'il y ait une commune propre et lui-même, tout cap servir de exemple de modèle à tout reste mairie qui. En dedans ville là. Nous venons prendre plaque ça, dans le nom Jean-Jacques Dessalines, dans le nom Toussaint Louverture et dans le nom Bras en tonnerre. C'est notre rêve, c'est notre objectif qui permet aujourd'hui, hein, après un an, 7 mois, sans projet d'assainissement dans la ville, nous tenir le poids. Avec nos efforts personnels, avec nos moyens d'abord, par le sens du dialogue. Là. Et c'est comme ça que nous convaincre la population, hein, nous finissons par comprendre nous, avec une grande machine, moi j'ai même avec 6 bourrettes. Ville ça sorti, premier lauréat nous dit. Hein, dans la ville, dans le domaine d'assainissement. Nous voulons tout secteur qui voulait aider nous, pour nous faire la vie propre.
surtout dans le tourisme. Fort, nous avons fort là. Nous souhaitons que mon gens connaissent, nous avons un jour, un séjour, nous avons fort ça. C'est une fortune que le pays a gagné là-dedans. C'est le fort de mettre ça là-dedans. C'est la raison qui fait que nous avons un orgueil qui pousse avec nos moyens du bord, nous tenons ça d'une manière propre. Moment arrivé pour nous faire un campé dans le journal là, nous tournons tout de suite après pour développer cette information. Restez branchés. Nous avons poursuivi avec le journal là et fois ça encore, nous avons tourné dans l'information que nous avons annoncée dans le titre pour nous dire que le directeur central de la police administrative, là, Joanny Caneus, installé vendredi 15 décembre, Berson Soljou comme nouveau directeur départemental l'Ouest Police Nationale d'Haïti. Inspecteur général là, invité nouveau responsable là, travaille dans la limite la loi et principe institution PNH là. Nouveau directeur départemental l'Ouest là, Berson Soljou, promet pour mettre compétences li et capacité dans le travail captain li yon façon pour faciliter sécurité garantie dans le département. Yon extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et Michel Joseph. Plus de vos expériences et de votre leadership qui seront mises à profit, j'en suis sûr. Je vous exhorte, si vous voulez réussir avec brio, à ne pas oublier que la collaboration de la population en général est un atout. La collaboration des autorités locales, politiques, religieuses, de la mini-juste, de la presse, des organismes des droits humains et de la société civile est quelque chose, cette collaboration est quelque chose qui est nécessaire à votre réussite. Ma vision est de faire de ce département un modèle en termes d'accueil du public, une référence en matière de la coproduction de la sécurité, parce que la sécurité, ce n'est pas l'affaire de la PNH, c'est l'affaire de tous, et les lois du pays en disposent. Je voudrais aussi que ce département soit une référence en matière de respect des droits de l'homme, de la discipline, en un mot, de la doctrine institutionnelle. Comment m'y prendre pour conduire la BAC de la direction départementale à bon port? Conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur, de la loi portant création de la police nationale d'Haïti, du code d'instruction criminelle, du code pénal et des grandes orientations en vue de l'établissement d'un état de droit en Haïti, notamment le plan de développement de la PNH, des manuels, ordres, directives et autres textes relatifs à l'exécution des tâches de police, la police du département de l'Ouest mettra tout en œuvre en vue de garantir la protection des autorités constituées, des biens et ressources de l'État, de prévenir les crimes et délits, de contribuer à la jouissance des droits fondamentaux et à l'exercice des libertés publiques dans la cité, à rechercher les crimes, les délits, les contraventions, en rassembler les preuves et en livrer les délinquants aux tribunaux. Nous allons parler de justice dans le journal là pour nous dire membre conseil supérieur pour voie judiciaire CSPJ dans une conférence pour la presse renouveler engagement yo pour respecter mission la loi Bayo. Même CSPJ qui t'a réagi sous dernière déclaration chef l'État, bah garanti y a travail pour améliorer qualité service y a bay population. Du fait qu'on est, même conseil là était ouvert pour chita parler avec exécutif là. Yon extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Frisnel Toussaint. Déclaration ça a été fait nous pas content. T'es fait pas content et nous t'estimé que t'es gagné des explications pour nous te bay population haïtienne. Par rapport à la question de certification, semaine dernière ou bien en novembre, le conseil a publié une liste parce que tu as une équipe qui a fait certification, une commission
qui a fait certification juge, mais son commission mixte, il y a un conseil là, il y a trois membres conseil là, et trois membres que conseil là désigné, et il y a tout, et trois membres que ministère de la justice désigné, puisque son commission qui pour faire certification magistrat, ce n'est pas pour juge seulement. Donc, et résultat que nous avons, c'était des résultats que l'équipe technique ça, qui composait tant de conseils là, de membres désignés par conseil là, que de membres ministère de la justice, qui te fait travail enquête et qui te permet nous avoir une série de monde qui est capable d'être dans le système, non? Mais une série qui n'est pas capable d'être dans le système. Non? Et puis une autre série de monde, il a continué à faire enquête sur eux. Donc, quelque part, conseil là a un souci pour retirer les gens qui n'ont pas doué dans le système. Non? Nous pas retirer tout le monde d'un seul coup, nous pas capable retirer tout le monde d'un seul coup, d'ailleurs nous pas comme tout d'un seul coup. Et nous assurer nous que l'œil pour plainte contre un juge et mes tribunal disciplinaire jugé. Et certification, ce n'est pas un chèque en blanc que vous bail. Parce que même si un juge certifié, si n'importe qui bagaille est arrivé, n'importe qui côté vous apporté plainte pour lui, n'importe qui l'heure, eh bien nous toujours capable et prendre dossier à traiter lui et aller devant tribunal disciplinaire pour nous sanctionner si besoin. Et nous devons assurer population que effectivement la justice malade, mais CSPJ a fait ça le capable. Et nous avons besoin de la population. Le conseil, là, avec toutes ses limites, a fait possible pour lui garantir juge que vous n'avez pas ni pression politique, ni pression l'argent, que vous êtes capable d'agir dans leur indépendance totale. L'autre nouvelle, dans le cadre d'une conférence pour la presse, journée vendredi 15 décembre, la plateforme Organisation Haïtien Droit Mounio, POHDH, mandé l'État haïtien pour prendre bon en disposition pour mettre campé une politique agricole qui m'a connaît tout bon vrai avec la réalité paysan, yon manière pour empêcher yon quitter localité côté à vivre pour aller chercher la vie l'autre côté. Accompagner paysan, yon, d'après responsable programme POHDH, la Roosevelt Jean-Félix, c'est meilleur moyen pour permettre plus manger produit pour bailler petit pays à manger. Yon extrait dans le micro, Rodney Dorléans et Moïse Wilwitch. Jouni jodi a gwan, sans paysan, soit qui te nan Karakol, qui te nan Trou du Nord, ou bien qui te nan l'autre espace, dans plein de Mariba ou qui ta fait production, yon transforme jouni jodi an, en ouvrier agricole ou bien chômeur. En pile là dan yon, d'après ça yon dit, déjà déplacé pour aller en République Dominicaine, en pile fois Dominicain yon, humilié yon, et sous frontière là. Nous demandons de mettre en campagne une bonne politique agricole qui m'a connu avec la réalité paysanne aujourd'hui. Et enfin, freiner tout processus d'exploration et exploitation mine qu'a fait dans le département nord-est qui constitue un danger pour la population. Un groupe étudiant dans la faculté sciences humaines organisé 15 décembre 2017 là, un sit-in devant local rectorat Université l'État. Étudiants ont continué à demander responsable prend bon gens à disposition et puis prend responsabilité yo pour activité académique yo qui campait depuis environ 10 mois yo capable reprendre dans niveau faculté sciences humaines. Un reportage avec Woodley Noël et Jean-Jacques Laurent Dali. Après des sit-ins sous la cour faculté sciences humaines, 4 à 7 décembre qui s'est passé, il y a eu 21 étudiants entité ça qui mobilisaient devant barrière principale rectorat 15 décembre 2017 là. Fois ça, groupe étudiant ça ouvre membre conseil exécutif université à tant de voix yo. Devant rectorat, nous avons comme objectif principal pour réouverture faculté des sciences humaines. Et nous avons dénoncé complicité et coordonnateur général faculté à qui c'est Josué Vaval, nous avons qui refusé pour responsabilité pour faire faculté à l'ouvrir pour fonctionner normalement. Nous-mêmes, quand nous avons machine à poule, nous avons perdu du temps. Nous sommes jeunes doux. Mais je m'a demandé, monsieur des hommes avec tout Vaval. C'est petit Dieu d'appeler dans la rue après le dimanche pas de manière comment t'as senti yo. Est-ce que t'as pas responsabilité dans la de l'école? Mais ça me donne pas un message. Pensez à nous-mêmes des jeunes qui sont petits malheurs, qui sont tous les gars qui sont dans la rue. Nous venons de dire que nous voulons l'école, nous voulons l'école, nous voulons l'école. Représentant étudiant faculté sciences humaines dans le conseil université, Jean-Ederson Jean-Pierre, continue à demander intervention de la police dans l'espace faculté. Nous avons demandé clairement, nous toujours continuons à demander intervention policière dans l'espace là. Et nous avons demandé pour le commissaire gouvernement et tout appareil justice là pour assumer responsabilité, pour poursuivre les gens qui prennent faculté des sciences humaines en otage là. L'été 11h comme ça, toute démarche télévision nationale pour une interview dans un membre conseil exécutif université l'État, pas de bas résultat.
Nous allons poursuivre avec le journal là pour nous dire initiative société civile remettre à hier jeudi à certificat by 74 jeunes qui ont participé dans 10 jours d'information sous droit international droit monde. On nous suit. 74 commissaires, avocats, professeurs de droit, militants de droits humains qui recevront 59 ans, ils recevront un certificat parce qu'ils ont réussi cela. Et l'autre, 13, yo recevoir yon attestation de présence. Tout le monde sa eux vini de 7 départements géographiques et parmi eux, nous gagnons 39 femmes. Nous gagnons avec nous les représentants de l'Union européenne et de l'ambassade de France parce que c'est deux organisations sa eux qui finançaient l'opération et nous gagnons représentants tout de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, qui relaie aujourd'hui à Fondation René Cassin, qui c'est lui-même qui coordonnait sur le plan académique formation. Cette session de formation qui a porté sur un sujet qui justement a fait les unes de l'actualité en Haïti, qui est la détention, et la sixième. Et elle succède donc à toute une série dont vous avez entendu parler sur différentes problématiques, notamment l'année dernière sur la patrie. Alors ce qui est intéressant dans cette session de formation, c'est que c'est une expérience, enfin une proposition de formation qui a beaucoup de succès, parce que je crois que cette année, on avait 250 candidats, donc 250 Haïtiens qui étaient intéressés par cette problématique, qui voulaient en bénéficier. Et malheureusement, les capacités ne permettaient pas d'accueillir 250 personnes, et donc ce sont 73 personnes qui ont fait preuve d'un grand engagement, d'un grand sérieux et d'une grande conscience de ce sujet universel qui est celui des droits de l'homme, et qui vont maintenant, je l'espère, contribuer après dans leur pays, dans votre pays qui est le pays d'Haïti, à faire évoluer la société vers plus de prise en compte, davantage de prise en compte des droits de l'homme, qui est un sujet qui nous concerne tous. On va poursuivre le journal là pour nous dire sous initiative Concept Event Master, groupe évangélique international EXO en Haïti, dans le cadre d'un concert et d'un festival évangélique. Plusieurs groupes influents dans le milieu évangélique là ont bien pour performer à côté EXO pendant deux événements. Lubert Meyer, un responsable Concept Event Master, a porté précision dans le micro TNH. EXO, c'est un groupe francophone, c'est un groupe international qui sillonnait pratiquement toute francophonie et quelques autres pays à travers le monde. EXO a visité en Haïti pour deux événements, 16 et 17 décembre. 16 décembre, c'est dans le Caribe et 17, c'est dans Enfraza, côté Naposo Royo. Dans un festival et dans un concert, Alabanza et EXO, qui sont deux principales invités pour un grand événement, ça, ils n'ont pas vivre dans le pays, ils sont déjà arrivés. EXO est arrivé au complet dans le pays déjà. Du coup, on attend tout le monde pour venir dans une belle célébration ça a fait dans le Caribe et dans Enfraza. Enfraza, c'est à partir de 3h dimanche 17 décembre. Il y a un ensemble de côtés 4 heures disponibles pour vendre dans Delimat, dans la presse évangélique, dans côté l'âme, dans différents succursales côté l'âme avec Bonjean. Et sous exoenhaiti.com, il y a un monde capable de donner plus d'informations à 4 pour grand événement qui a fait samedi 16 et dimanche 17 décembre. Il y a une autre information qui concerne tournée président de la République là, a fait sous continent européen. Coupe présidentielle là, rencontrée mercredi 13 décembre, là, plusieurs groupes socio-professionnels dans la communauté haïtienne dans le pays Belgique. Président de la République là, Jovenel Moïse, présenté compatriotes haïtiens une liste projet là, bien pour exécuter pendant 5 années mandat là. Il y a un reportage, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. On nous suit. Professionnels haïtiens qui ont évolué dans différents secteurs dans le pays Belgique, passé un bon moment de retrouvailles à la coupe présidentielle là qu'a visité compatriotes yo. Première dame république, Martine Moïse, présentait projet qui baptisait Compte moins compte, qui visait encadrer Timounio depuis jour au fait là pour j'y sur 6 l'année. Un projet qui a plusieurs phases. Donc j'ai bâti mon programme sur la petite enfance, où
et nutrition, santé, éducation, etc. Mais quand je devais faire l'application du programme, je me suis rendu compte que je ne savais pas où les enfants se trouvaient, ni même la quantité qu'ils étaient. Donc, j'ai décidé de les identifier. Donc, j'ai monté le programme côté mon côté pour pouvoir identifier les enfants. Mais ça, c'est une partie de mon programme. Dans le cadre de la protection de l'enfant, il faut également limiter la quantité d'enfants qui se fait. Parce que si quelqu'un a 10, 15 enfants, il ne pourra pas s'occuper de tous. Donc, les enfants ne seront pas protégés. Donc, le contrôle des naissances sera la suite de côté moins côté. Et on commencera avec le contrôle des naissances par la grossesse précoce. Même chose à fait dans New York, Florida et pays la France, questionnement haïtien qui vivent Belgique n'est pas différent. Président Jovenel Moïse pour tes explications sur le travail changé figi Haïti l'a réalisé dans le moment ça. Parmi eux, question réforme appareil justice là qui c'est un gros morceau. Le rapport, cette collaboration qui existe entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est pour le bien-être de la nation. Et au niveau de la justice, dès mon arrivée au pouvoir, j'ai mis en place une commission pour lutter contre la détention préventive prolongée. Nous avons un document rédigé par cette commission. Maintenant, c'est au pouvoir judiciaire de réaliser les réformes. Et comme garant de la bonne marche des institutions, je suis là pour suivre, pour regarder, pour ouvrir grand les yeux, pour comprendre ce que le pouvoir judiciaire est en train de faire avec celui-ci. L'image d'Haïti est extrêmement importante pour nous, pour faire de ce pays, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, il faut changer la mentalité de nos frères, de nos partenaires de l'international. Délégation présidentielle là mettait bout dans visite officielle ligne en Europe là vendredi 15 décembre cap vini là. Chambre commerce américain et haïtien organisé jeudi 14 décembre là dans résidence chargée d'affaires ambassade américaine là dîner traditionnel pour Noël là. Dans l'occasion, dirigeant Amchamio exprimé souhait pour année 2018 là dans affaires business. N'a pas rappelé que Chambre commerce américain et haïtien organisé jeudi 14 décembre dans résidence chargée d'affaires ambassade américaine là dîner traditionnel pour Noël là. Dans l'occasion, dirigeant Amchamio exprimé souhait pour année 2018 dans affaires business. Régine Labrousse, c'est président Amcham. En suivant. L'environnement n'est pas trop propice, n'est pas assez propice pour que nos entreprises soient efficaces. Sur la lutte, le plaidoyer, tout cela doit se faire pour que les politiques publiques existantes dans le pays puissent faciliter tout ça. Nos entreprises sont prêtes, sont parées pour le travail du bien, mais le système n'est pas propice. Sauf, il y a un pile de choses qui peuvent changer pour nous faire plus efficace, pour gagner plus d'emploi, gagner plus de contributions fiscales, tout ça. Avec loi 3800, nous gagnons plus d'emploi, ou gagner 3 chiffres. Ou engager plus de monde à un niveau plus compétitif. L'autorité de la loi ici, ça nous affaiblit à tous les niveaux. Chaque fois un investisseur veut rentrer, son stress de sécurité. Chaque fois, par exemple, où un camion qui a sorti pour vendre produire, son stress, toujours une manifestation dans la route là, toujours des empêchements. Ce deuxième point, c'est vraiment ces frontières là. Frontières avec la République dominicaine, excuse-moi, il manque un pile de structure. So, là où il y a une compagnie qui travaille dans le pays, qui paye toutes les taxes, qui fait tout le normal, et puis il y a des produits qui rentrent, qui ne payent pas les taxes, qui ne payent pas rien, puis qui vendent des produits beaucoup moins chers. Ça va faire le secteur privé. Soubo Pali, chargé d'affaires, ambassade américaine, Ruben Diallo, exprime souhait pour Haïti faire gros pas dans les affaires business pour l'année 2018. Là. On nous suit. Jusqu'à présent, on est très impressionné par le président Jovenel Moïse quand il dit qu'il est contre la corruption et la lutte contre la corruption dans les journaux, dans la radio. Mais maintenant, c'est ça l'idée.
Maintenant, il faut les actes concrets pour achever une Haïti sans corruption. Donc, toujours, on doit avoir un programme, une vision, mais maintenant, c'est le temps de faire. C'est-à-dire des procès? Des procès pour l'impunité, pour être jugé, pour les choses légales. Il faut faire les actes. Pour dire que je suis contre corruption, ça c'est un très bon début. Pour Kounia, nous pourrons parler éducation dans le journal là, pour nous dire ministère éducation nationale et formation professionnelle, MENFP, fait toute population, hein? Si tout candidat connaît, première session est spéciale recalée pour aller académique 2017-2018 là, a déroulé sorti 18 pour arriver 21 décembre qui vient là. Dans ce sens, MENFP mandé pendant la période ça pour candidat respecter toutes consignes examen. Bureau national examen d'état, BUNEX, fait qu'on est 34 205 candidats à suivre l'examen si là. L'Ouest qui gagne plus gros quantité de candidats, qui c'est 14 188 candidats. La Tibonite en troisième position avec 3 707 candidats. En dernière position, c'est département NIP qui gagne plus petite quantité avec 761 candidats. Nous avons quitté Bolakaïnou pour nous traverser sous plan international pour nous dire pour plus petit 6 jeunes qui l'école perdit la vie dans la collision qui fait entre un lycée scolaire. Il était la donne à un train régional dans Milas en France jeudi 14 décembre 2017 là. Nouvelle ça a bouleversé toute la France après accident côté jeune ça qui était gagné en 13 à 17 l'année. On nous suit. Collision qui fait entre un bus qui t'a transporté Timoun l'école à un train régional jeudi 14 décembre là. La cause 6 Timoun perdit la vie et puis une vingtaine d'autres blessés dans le pays la France. Incident ça a produit jeudi 14 décembre dans la commune française à Milas. Pour qu'elle y ait la blessée, elle prend soin à l'hôpital. Après drame ça, toute la France sous choc, majorité victime, c'est jeunes entre 13 et 17 l'année. Vendredi 15 décembre, nan, collège Milasla, côté jeune, ça est originaire, l'ouvre porte pour recueillir parole élève qui traumatisé après accident camarade. Nous avons quitté le pays la France pour nous rendre dans le pays la Syrie, côté premier tour élection présidentielle fixée pour 18 mars 2018 Cap Vinila. Yon décision chambre de parlement pays la Syrie prend vendredi 15 décembre 2017 là. On nous suit yon reportage. 18 mars 2018 c'est date qui kembe pour déroulement élection présidentielle yo dans pays la Russie. Vladimir Poutine gagne pile chance pour le retourner dans tête pouvoir. Pourquoi elle est là? 23 personnalités politiques déclarées au candidat dans cas d'élection sa yo. Vladimir Poutine dans tête Fédération russe là depuis 1999. Chef État russe là sur route pour le prendre un quatrième mandat. Vladimir Poutine capable de venir dirigeant russe qui passe plus de temps sous pouvoir après Joseph Staline. Journal arrivé dans Boutli, c'est moment pour nous rappeler au titre. Président République là Jovenel Moïse avec première dame nan Martine Moïse visité jeudi 14 décembre l'an pi gros barrage hydroélectrique dans pays Belgique. Chef l'État a te suivi un exposé sous barrage là et puis sous système modernisation ak entretien lac yo. 48e session Assemblée parlementaire l'ouvri vendredi 15 décembre nan Pétionville. C'est président chambre député à Charles Chancy qui l'ouvri session si là en présence diverses autorités. C'est première fois Haïti a recevoir un événement comme ça. Chambre commerce américain et haïtien réalisé jeudi 14 décembre un dîner traditionnel pour Noël là dans résidence chargée d'affaires ambassade américaine. C'était moment pour dirigeant Amcham yo te exprimer soyo pour l'année 2018 là. Berson Soljou, c'est non nouveau directeur départemental l'Ouest Police Nationale là. Cérémonie installation en déroulé jeudi là. C'est directeur départemental, c'est directeur central police administratif là, Joanny Caneus qui te présidé cérémonie. À l'étranger, environ 6 écoliers perdit la vie jeudi 14 décembre dans une collision qui fait entre un lycée scolaire et un train régional dans Milas, dans le pays de la France. Voilà, amis téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, c'est toute information ça qui était gagné dans l'édition journal pour assurer vendredi 15 décembre. Merci à vous-même qui t'avez suivi. Restez branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bon week-end, bonne soirée.